Vous avez un pile de dossiers que vous t'avez venir avec lui pour présenter. Par exemple, matin là, mon cabinet a, a vu réalité haïtienne à Vous capable considérer, par exemple, que la police mobilisée au niveau de Bel Air, Solino, Delma 24, et tant d'autres zones, côté que la troquer qu'on est avec Bandi pour que les récupérer territoire ça. Vous êtes capable parler tout de il y a un citoyen qui décide d'entrer dans la centrale électrique péligue et puis il sabote le matériel EDH et la cause que pas de courant pendant un bon bout de temps là, dans plusieurs zones dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour ne pas parler tout de blocage qui gagne au niveau de CPT1 hein? De réunions ça qui était faites faite hier pour que yo regardiez comment y a adressé ses problèmes trois conseillers qui dans le scandale corruption bnz hein, qui qui pas arrivé fait Ou êtes capable de parler tout devenu Anthony Blinken nos conjoncture comme ça qui a gardé qui ça l'effet que ça capable faire pour dénouer situation de blocage non. Et puis ou êtes capable de parler tout de rapport que Unité de lutte contre la corruption ULCC limitée dehors concernant plusieurs en, euh, institutions d'État mais de personnalités tout. Par exemple, un ensemble de diplomates qui pas fait déclaration de patrimoine. Yo. Le par bon exemple, législateur yo, dépensé loi 12 février 2008. Qui c'est la loi qui porte déclaration de patrimoine pour deux catégories de monde spécifiques qui dans l'État? Vous parce que vous avez fait que transparence dans le gouvernement pays, que gagner moins de corruption, si vous voulez, que gagner y tout élégance dans la façon que n'a pas administré et n'a pas géré comme dans le pays. En culture de bonne gouvernance, en culture de transparence, il y a seul des sols dit que qui t'a motivé, le monde qui t'a fait loi ça Maintenant, on regarder rapports, enquêtes que l'ULCC a hier sur deux personnalités, de monde qui gère l'État au plus haut niveau. Pour nous regarder la réalité du pays, dans quel niveau de la corruption, ils sont les cancers pour la société? Il y a plusieurs cas que nous sommes capables considérer. Nous sommes capables de faire PNCS, par exemple. Nous sommes capables de faire électricité d'Haïti. L'électricité électricité d'Haïti est un rapport à la cinq caissières qui décidaient y a détourné des centaines de millions de gouttes. Comment ça ça fait possible Comment ça capable fait Nous allons faire ça rapidement avec vous. Et puis nous allons entrer dans un cas qui peut-être a interpellé un peu le monde, qui est si le cas ancien ministre de planification sous-privé et on partit dans Jovenel Moïse-Lan, on a parlé de Aviol Fleurant. On peut aider Achelant d'abord, puisque KDH là, il y a grand pile de monde qui sont victime de lui tout. KDH là, l'idée déclenchée, c'est à la suite de plaintes que de abonnés ont potées pour de facture que vous payez déjà. Et il se trouve que dans le prochain bord qui vient de jouer, même le montant que vous yo payez, il la là-dedans. Okay. Et c'est à la suite de ça, il y a une sollicitation que vous faites au côté de l'ULCC qui décide à regarder qui ce que bagages là-dedans. L'ULCC mène investigation. Alors, pas que des détails, je n'ai même pas besoin d'une citation, même puisque nous n'avons pas pris un pile de temps. ULCC, je ne que... Gagner, par exemple. Alors, son système de informatisé, oui, bon, on va dire ça. Gagner au logiciel que au travail ensemble avec lui. logiciel-là, si bien qu'il permet que mon nom rentre, comme, mais il ne permet pas permettre que ait une autre instance dans l'électricité d'Haïti capable de garder qui ça que qu'est-ce fait avec comme là et ça vient fait que qu'est-ce le veut dire qui est, est t'entendre parce que c'est gros mago c'est gros comme qui a dans 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 dh une fois que il eu besoin pour Cob, il ont levé Cob. par exemple je prends un grain de car pour montrer très bien ce que m'a dit Genyen yon kesyèr ki kirele alè ma banon nou an byen rapit pi se mba genyen la tèt mwen e, e la ok genyen yon kesyèr ki kirele ok ki kirele kamit Jean Bernard Mento Le 10 juen Karmit Midjambé Anamento, il faut entrer dans la caisse électricité d'Haïti. Il prend. Attendez bien, oui, ça m'a 22 millions. Comment, c'est le joueur? C'est le joueur, oui. Comment il fait ça? Eh bien, pas de contrôle. ça, <laughs> <So, when? laughs> 759 000. 671. Enquête haut. Détail très bien pour nous. Alors, là, on a parlé de janvier 2021 à janvier 2022. OK. Gonquesse a quitté, par exemple, Chantal Jean Thomas. Chantal Jean Thomas, l'idée tournait 358.779 gout nan mwa juyè 2021. Nan mwa out, li detounè 278.253 gout. Nan mwa novem ak desem, li detounè 151.652 gout pou l'passe fin dani. Et puis, où Chaque monde a fait ce qu'il par fait. Est-ce que vous bon Où a mis Cantave, par exemple, qui détournait 3 millions Monsieur, on n'y a pas Est-ce que ULC, c'est bien Comment ils vivent et ça Non, alors, ULC, s'est expliqué que il au un logiciel que les gens qui travaillent sous lui. Le logiciel là, il permet que comme entrer. Mais il n'y a pas de regard qui est placé sur qui ça qui est fait avec les Le mécanisme que vous utilisez, c'est que les gens qui viennent payer, ils écrit sous le droit normalement, ils mettez visa sous lui, c'est ça qui fait que les gens qui c'est que les gens qui prennent comme ça. Mm -hmm. Et puis, ils posez ça que comme avait... Bah, sous Mais système sous non? système, non, il n'y a pas passé comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ok, ok. Comme le système pas passé sous système, non, mm -hmm. le prochain Bordeaux absorti, so, ça a, a à sorti. Il sorti avec le même montant que vous mm -hmm. payer. en plus mm -hmm. ça a facturé pour moi. Pour moi, ok. Mm -hmm, mm -hmm. Maintenant, le plainte continue à déposer comme ça. Vous ne comprenez pas ce qui a passé, parce que chaque fois que vous avez payé tout bas est normal sur Bordeaux, sauf que les gens payé, mais là, ils arrivé arrivés. bord au prochain mois, c'est factuel de payer, en plus, ça va ajouter sous l'île encore. Donc, c'est dans ce sens que, pour seulement, pour seulement un an, mm -hmm. un an, vous gagnez 5 caissières dans l'électricité d'Haïti, dans la zone métropolitaine pour Port-au-Prince, seulement. Dans la zone métropolitaine de port seulement, qui détournait, alors on le avec tout et, 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 et numéro nifs. Par exemple, vous avez Naomi Cantave-Moulange, numéro nif, c'est 004-472-294-3. Ou gen Chantal Thau-Majan ki identifi nan numero NIF 002-975-446-7 Ou gen Mouni Asenzi François identifi nan numero NIF li 004-428-481-5 Ou gen Elimise Valbert-Pierre NIF li si 003-428-481-5 996-069-1 et puis au gain Edmond Célestin Niflis 004-465-733-4 que unité de lutte contre la corruption m'a dit que ont mettez action, action publique en mouvement mm -hmm. contre y'a. Peut-être que entré Mais mais au bien fond dans... Nan l'État. pour Détournement bien public. Détournement bien public, mm -hmm. exact. Mm -hmm. Mais, vous connaissez la question de corruption. Mm -hmm. C'est plusieurs rapports d'enquête que l'ULCC débaille. Mm -hmm. L'autre rapport qui intéresse un peu le monde, c'est rapport qui portait sur ancien ministre planification à coopération externe, sous gouvernement privé là, et puis sur bout dans l'administration Jovenel Moïse, là, on a parlé de Aviole Fleurant. Alors qu'Aviol Fleurant, il doit interpeller un peu le monde, parce que nous pensions, dans quel contexte, que l'ULCC était obligé de pencher sur Aviol Fleurant. C'est à la suite de dénonciations et, et, et journalistes qui ont dit ça, non Et puis, il ont dit qu'il y ait une pétition qui accompagne pour que l'ULCC penche sur Aviol Et puis, le 20 juin, on va aller de 4 600 personnes qui 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 à Val, et puis ULCC décidé de pencher sous Maintenant, dans le cas de Viol Florence, amis auditeur, investigation, l'Italie d'une part, pour aller regarder, pour aller vérifier l'information que... Alors, je vais vous donner une précision. Je dis que Jean-Bernard Mentorka, le paquetien, c'est un gros responsable euh, mm -hmm. qui a été indexé. Ah, ok. Peut-être que nous avons retenu. Nous Oui, nous avons parlé de cas. L'ULC s'était décidé de, mm. de all, garder, et, et, par exemple, la question de déclaration patrimoine mm. à la suite de dénonciations qui ont été faites pour garder est-ce que avez menti est-ce que y a vérité etc. mais avant d'entrer dans de la Florent il est important pour que je précisiez ça vous... nous nous faut la loi 12 février 2008 là rapide vite pour bien comprendre pour qui ça est important que nom fait de déclaration de patrimoine et pour qui ça tout que mon yo choisi pas faire fait de déclaration de patrimoine OK c'est la loi 12 février 2008, qui portait déclaration patrimoine pour un certain et monde qui est dans l'État. Il définit, il spécifie d'ailleurs. Et la loi, ça, je vous disais, dans en contexte, avant que je m'entre dans le sujet. La loi, ça, le législateur fait, c'est pour combattre l'enrichissement illicite. Pour protéger le patrimoine public, yotou, parce que là, nègre est dans l'État, ils a fait n'importe qui bagage. Est-ce que vous bon? Donc, le législateur prend loi pour ça. Maintenant, dans l'article 7, loi 12 février 2008, il fait obligation à la catégorie de pas qui ont fait déclaration patrimoniale. Et c'est l'article 8.2.1 qui fixe le délai pour mon faire fait déclaration patrimoniale. Le fin de en fonction, c'est 30 jours. Et là, pour le faire déclaration patrimoine, il a quitter pour cela, qui s'est 30 jours encore. Maintenant, à la suite de toute dénonciation qui fait, yo, ULCC a décidé de regarder le dossier à viol fluid. Premier constat que l'enquêteur ULCC a fait, auditeurs, c'est que, déclaration patrimoine maintenant, Document Il date. a Dieu seul. Mm -hmm. Document date. Sinon que, dans le formulaire F21, que Notaire Jean-Rissé ancien vous lit, dans la dernier page document, il y que dans formulaire ça, la signature lan, de 18 e, e décembre 2017. Or, mettre la l'entrée en fonction, le 24 mars 2016. Comprends-tu 24 mars 2016. Soutenu compte de l'article 8.2, loi 12 février 2008, l'État de l'Eiffel, 30 jours après le fin de la fonction. Mm -hmm. Voilà que, sous-considéré 26 mars 2016 à 18 décembre 2017, les en total 21 mois. Mm -hmm. Ça veut dire... <laughs> Il fait euh, en retard. Non, mais ça ça, ça très ans retard. C'est comme mm -hmm. si on n'avait pas raison à qui fait encore. Okay. Mais comme li il va mm dater, -hmm. on va raconter s'il dit le 30 juin, ou bien s'il dit fait, date que, et e, noté à la baille, Formulaire F2. Okay. Maintenant, les <laughs> enquêteurs Il ils viennent rendre compte que... Dans la déclaration de patrimoine sortant, date de sous formulaire F2 pour déclaration de patrimoine sortant, c'est 27 octobre 2020. Alors, qui dit post en 2018, oui Comment dire Qui était en 2018 Il était en 2018 Vous joignez que dans le formulaire F2, dans la déclaration que sortant. C'est 27 octobre 2020 que M. Fait déclaration. Presque, ça a dit presque deux ans après. Presque deux ans après. Maintenant, premier bar qui va le frapper enquêteur, sous cas Viol Fleuran, c'est compte dépâgent, chez Metla. En fait, ministre-là. Mm -hmm. Ministre-là dit que il a seulement trois comptes dépagnes. Deux. Dans une banque, y en a un dollar, il y en a un good, et puis il y a un dans banque. Oui J'aimerais te le dire, il a seulement trois comptes. Mais, l'enquêteur le à l'approfondie, guerrier, il a rendu compte que, et monsieur et madame Li yon au total 16 comptes en banque. Non mais ça va, on n'est pas 16 comptes en banque. C'est <laughs> <laughs> le business. Hein? le <laughs> business On n'est pas 16 comptes en banque. Et 16 comptes en banque, il y a plus que 16. Il y a plusieurs. Non, par exemple, dans le il y a plusieurs. Ah, ok. Ok. Ah, ici, c'est pour. Mmh. Yeah, OK il y a okay. plusieurs dans le mmh. On va pas 16, <laughs> <bank, non? laughs> 16 comptes, non Dans 16 comptes, il y a 7 qui sont en goutte gain 9 qui en dollars américain mm -hmm. Maintenant Le Algadi ça aurait les acquisitions et, et chaîne chaîne en or chaîne en diamant <laughs> ah, Entre eh, oui, tout à tout à Oh ah mon frère le cce garder tout baie là toi c'est faut que le cce garder gain de ba ou gain comment mm. on fait gain vous comprenez garder des de valeur oui ebay de valeur objet de valeur entre 2008 et 2017 il y avait que T tiguan chaîne en or avec chaîne en diamant au prix de 12 000 dollars américains des boucles d'oreilles en or pour madame est-ce que vous comprenez que l'a acheté pour 2 500 dollars américains est-ce que vous comprenez et il y a trois lunettes entre 2016 et 2017. Que Chemetla a acheté pour 3500 dollars américains. Alors, ce n'est pas un des hommes qui ont parlé, non? C'est le rapport ULCC que nous présentons à mes auditeurs. Oui? Il y a un montant que Chemette l'a acheté. Est-ce que vous comprenez? Pour 2000 américains.

Okay, M. Aviol Ferran a mm. déclaré que a trois comptes mm -hmm. d'épargne. Okay? Yeah. Deux, dans Unibank, il y a mm. un dollar, l'autre en gold, yeah. et l'autre compte qui est dans ok. Mm -hmm. Il a déclaré également pour un, mm -hmm. que lui a deux comptes courants dans Unibank, il y un dollar et l'autre en gold. Ah, ok. Ok, eh, C'est ça, c'est ça, moi je vais vous C'est cinq, oui

Oui, ça, tout. Non, il y a des gens. Ça, 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 ça. Oui, quand on a là, on va le ensemble avec ça, on va le faire. Entre ça, ça, dit Et ça, on va le faire. Il on a une grande différence. Uh -huh, uh -huh. De différence là-dedans. Okay. Mm -hmm. Et là, nous t'as parlé de... Objet de valeur. Objet de valeur. Nous t'as parlé de montre pour 2000 dollars américains. Oui, oui. Et Gembras l'a tout en 2015, Que a été acheté pour 1500 dollars américains. Et puis, il y a une vinerie et une argenterie en 2016 qui a été pour 13 000 dollars américains. Ok? Là, en 2015? Oui, non, en non, 2016. 2016. 2016. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, enquêteur dit que vous constatez que dans la déclaration que les cas de patrimoine sont alors, dans page 8 là, rubrique 5.9 là, qui traitait de questions bijoux, mette Mettla déclarait que le gain seulement 8 chaînes en or et en diamant, que l'été acheté pour 13 500 dollars américains. 8 chaînes ouais. Oui, 8 chaînes en or et en diamant. 13 500 dollars américains. Oui Gagner par exemple, ça qui a un rapport avec véhicules à moteur terrestre, ça veut dire que machine, de barre de ce genre. Gagner gen où mettre la pas déclaré. C'est ça que l'ULCC a constaté. Oui Gagner où mettre la pas déclaré. Mais l'a déclarer. déclaré qu'il a gagné trois véhicules de Toyota Land Cruiser a acheté en 2015 pour 45 000 dollars américains. Il a un Hyundai Santa Fe a acheté en 2010 pour 35 000 dollars américains. Et puis, bon, par contre, c'est une erreur de frappe que l'ULCC fait. Moi, je mis dis le luxe, mais le luxe Là, nous, et, et, euh, ah sous sous saison et on machine qui est mais on c'est luxe. ok, très bien. Et non déclaration patrimoine, sortant gagnent, mettre la déclarer deux, gagnent on ne pas Ouais. Mm. C'est ça que ULCC lui-même est tombé sur lui. Gon Toyota, Prado, que mettre' l'a acheté en 2018, il l'a acheté pour 4 millions 365 400 goudes. Metla l'a décidé que ça, pas déclarer. Mm. Oui la pas c'est investigation que la commission d'enquête du LCC en mené dans la direction générale des impôts dans ou qui pourra le permettre de constater que de gagner deux l'autre machines à moteur que mettre la pas déclaré qui déclaré son mais, mais qui sont mais qui sont nom mais il ne mm -hmm. on, qui ne pas déclaré. Il y a un Kia Sorento de couleur bleue et un Mazda de couleur grise que Metzlan lui-même n'a pas déclaré. Oui. Maintenant, en frontière, avance, puis deux fois, parce que, on ne ça pas dire qu'on s'avance qu'on ne pas éviter. Alors, enquêteur prend le soin pour situer le travail que qu'on a fait avant qu'il devienne ministre. Il a dit que son professionnel, qui était qu'on a profité à dit à cabinet recteur Université d'État d'Haïti, comme hein, consultant, il voulait qu'on fait couteau dans la faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince, avant qu'il ait nommé ministre de planification 24 mars 2016. Madame Metla l'étape a travail une administration publique là pendant une période. Il était consultant dans FAES et puis il était consultant dans, dans ONA avant que, le 6 juin 2016, libral intégré conseil modernisation des entreprises publiques à titre de conseillère juridique. Madame probablement. Ok. C'est ça que rapport à lui-même, il n'a pas parlé de mettre à viol fleurant. Ouais. Et bon, maintenant pas de fait état de ça que madame l'était consultant dans Faès ni nan. Ona. Là, n'a pas les deux avril à septembre 2016. Elle dit, mettre la en poste. Parce que mettre la en poste et 24 mars. Elle dit, mettre la en poste 24 mars. Okay. Et puis, dans le mois d'avril, madame, les est tout consultante dans FAES. Mm -hmm. Avril, il y septembre. Mm -hmm. Mais, il faut souligner que, 6 juin 2016, il est intégré Conseil Modernisation des entreprises publiques. Mm -hmm. elle dit après, elle quitte FAES. Bon, ouais. comme c'est mm -hmm. okay. okay. consultant, aucun doit être consultant dans la boîte. Et puis, on va dans l'autre. Ça veut dire que madame a fait de deux consultations pendant la période ça. Et pendant la même période, elle a nommé le CMEP, Conseil de modernisation des entreprises publiques. Okay. Mm. Maintenant, l'ULCC a regardé. Ça a l'air comme net que les, les, les recevoir pour fonction que a exercé dans l'administration publique-là, de 2016, mars 2016, à décembre 2018, qu'il quittait pour cela. Il y aurait que maintenant, de 2016 à décembre 2018, là, les jeunes ont une rémunération nette de 6 millions... 703.956 gouttes, 46 centimes. Bon, après que l'État finit de ça la prend, ça veut dire que c'est ça que mettre l'a toucher comme comme Oui. Monsieur continue tout pour garder quelques et avantages que mettre l'a gagné. mettre l'a déclarer que quelque chose qui va lui joindre, c'est le cabinet qui va l'île. Par exemple, là, dis donc 400 000 gouttes que le toucher chaque mois. On parlé de mettre à fleurant. 400 000 gouttes que le toucher chaque mois. Ça, c'est le cabinet qui balille mm. Mais, rapport a souligné que, l'œil référé yon à l'article 30 de décret 29 mars 1979, là, qui réglementait profession avocat depuis nomination en monde. En fait, mettre là, mettre à fleurant comme titulaire. Ministère de planification et coopération externe, mettre là en incompatibilité pendant que l'a exercé fonction ministre planification. Donc, c'est ça rapport à souligner. Okay. Bon, bah, on est, -ce Donc, avocat avocat okay. est, ce que. Pas avocat et ministre en même temps. Mais est-ce que ça veut dire que l'Ipataka. 400 000 gouttes que le cabinet a rapporté. Est-ce que le cabinet bahon. a, li, a, des est le cabinet a plein d'autres avocats oui, oui. avec lui? Est-ce que son cabinet est en santé et que fait le pour que le cabinet oui. mette la 400 000 gouttes chaque mois? Nous oui. oui. Mm -hmm. Nous ne savons pas. Yeah. Maintenant, il y a 400 000 gouttes qui viennent. Il y qui

avec aucune quantité de COB que ULCC a gardé, qui a gagné sous compte, qui pa, pa n'est pas en compatibilité. Il a pas matché. C'est mm -hmm. important que nous gardions ça. Oui. Et... L'enquêteur le tenu compte de qui ça travaille à viol fleur comme ministre, qu'a rapporté et qui ça a gagné sous compte lui, qui s'acquiert le gain effectivement comme moyen, mais il est obligé d'aller en banque pour garder qui, qui sous banqueur et qui s'acquiert sous compte bancaire et qui compte que le jeune comme ça. Par exemple, pour période 16 mars, en fait mars 2016 à décembre 2018 là, selon information que Banque nationale de crédit Communiqué à enquêteur LCCO compte qui numéro T33 41 008 63 qui est enregistré sous nom madame Ludmilla Toussaint c'est madame Ariol Florent depuis le 16 janvier 2017 compte satellite délouvré avec en somme de 1000 dollars américains. Elle dit compte là avec 1000 dollars américains. Pendant la période mars 2016 pour arriver décembre 2018, là, madame a déposé 14 000 dollars américains en espèces sous compte. Je ne pas Gagnons l'autre compte, numéro compte ça c'est 18 00 0004 479, que couple a ouvert dans la Banque de l'Union haïtienne le 14 juin 2017. Madame Ludmilla Toussaint, l'idée déposée sous compte ça. 49 385 dollars américains n'a pas besoin bah de bah évaluation mm -hmm. se, se, selon tout change. Yeah. Et au sujet de compte 33 000 23 612 que j'ai ouvert dans BRH le 29 juillet 2011. Dans BUH. Dans BUH. Mm -hmm. Merci. C'est mettre là même qui était ouvert contre l'an 2011. Pendant la période que l'ULCC a mené l'enquête, ça veut dire qu'on a parlé de mars 2016 à décembre 2018, Enquêteur de a remarqué que gagnait 42 366 dollars américains que pendant la période a déposé sous compte-là. Elle dit que M. Aviole Fleur, on a fait le ministre. Le ministre Aviole Fleur a déposé sous compte. Ça. Compte bancaire numéro 19 00 00 15 857. Lan, toujours dans BUH. compte, ça, mettre la nouvelle sur une firme juridique qui est business. Bon, contre, c'est un anglais bon nom, et Advocate? C'est Madame Ludmia Toussaint qui ouvrait contre ça. Mm -hmm. Bon, contre ça, vous n'avez pas passé sur les faciles parce que l'enquêteur dit, vous n'avez pas joué. Comment vous avez 258 dollars? Oui, 258 dollars et que vous avez oublié ça. Vous oublié ça. Ça oui. mm. e, va être comme sur les mêmes, et regardez ces comptes qui sont moins scopes. Parce que beaucoup de gens ont des 200, 300 non, c'est dans 1000, oui. Mi. On mm -hmm. est toujours. En okay. Al-Nauribank, encore pour firme juridique, cabinet Mette Fleurant. Compte ça, selon rapport ULCCA, c'est 250-10-22-014-29-041. Oui. Et l en. Quand ça l'ouvrit mm -hmm. le 20 janvier 2017. Okay. Et c'est là que vous avez eu un compte conjoint, là, Vous avez eu un compte Oui. Mm -hmm. Madame Ludmilla Toussaint, qui c'est madame, Fleurant, elle a Florent un procuration sur lui, qui donc a un droit signature sur lui, Le a comme mm -hmm. okay. Selon information que Boc l'a partagé avec c'est d'après sa rapport, a dit, pour période là, Monsieur et madame Fleurin ont déposé alors pour période mars 2016 à décembre 2018 mm -hmm. période là, concerné, période là, période d'enquête de, concernée. Période d'enquête concernée. Monsieur et madame Fleurant déposé sous compte ça mille dollars, 231600 dollars américains. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça que Bella, là enquêteur prend le soin à la rapport à pour préciser que c'est si comme que vous comptez 1, 2, 3, 4, 2. En liquide. En liquide. C'est <laughs> pas chèque, non N'est pas possible puisque vous avez l'autre compte toujours. Gagnez un compte Unibank, 140 2016, 0027 29 436 qui est ouvert le 24 avril 2015 sous nom monsieur et madame compte ouvert et bah dit comme non ça a ouvert avec une somme de 226 236 dollars américains avec 87 50 centimes. centimes. Okay. Ça, c'est en 2015. En 2015. Donc, c'est -ce votre communiste. Non, compte l'a ouvert. L'aide communiste, ah, êtes... oui. Oui, mm -hmm. oui communiste. Yeah. Mais, comme ça, il a été déposé dans la période d'enquête-là. Mm -hmm. Oui, dans la période d'enquête-là, oui, Et vous précisez ça. Mm -hmm. oui, a été déposé là. sur ce compte durant la période et sous enquête. Ok. ok. Il a dans la période d'enquête-là. C'est dit, compte okay. l'a ouvert déjà. Mais c'est une période enquête-là, c'est-à-dire entre mars 2016 et décembre 2018, période que M. Aviol en ministre, mm -hmm. c'est période ça il a déposé sous compte-là 226 236 dollars américains avec 87 centimes. Okay. Okay. Et l'enquêteur mm -hmm. a précisé que... Plus pas, c'est moitié comme ça où déposer le cash, mm -hmm. encore. On est gâpé le compte, c'est 16 Analfa, comptes liés. On a regardé le compte Sogé Banque Léonien. Mm -hmm. Comte Sogé Banque numéro 11 11 07 93 05 qui appartenait à M. Aviol Fleurand. Pendant période enquête-là, rapport ULCCA expliquait que... Maitre Aviol Fleur a déposé sous compte ça 27 006 dollars américains. On a regardé compte BNC, numéro 26 10 02 40 47. ça a été le 9 décembre 2016, sous nom Madame Ludmilla Toussaint avec un dépôt d'ouverture en espèces de 548 030 goudes avec 26 centimes. Oui. Le 16 janvier 2017, Gaillon l'autre dépôt, qui est estimé à 414 165 goudes 35 centimes, qui fait sous compte ça que Madame Toussaint lui-même l'a gagné. Et puis il y a trois l'autre dépôt. Qui est estimé à 962 195 gouttes 67 centimes. Qui fait sous même compte ça encore. Et. Dans le compte conjoint, dans le compte conjoint, que vous avez dans le BUH, numéro 33 000, enfin fait, 33 0001 21 277, quand ça a été ouvert le 27 septembre 2010, c'est M. et Mme Fleurent qui ont ouvert compte ça. Pendant la période d'enquête, il n'y a pas de transaction qui a fait sous lui. Mais il y a deux frais que ont lui-même prend sous compte et qui a allé jusqu'à 3 795 euros. Compte Unibox 140 2015 02 72. 94 07 quand ça ouvert 24 avril 2001 monsieur madame Fleurin, encore pendant la période mars 2016 à décembre 2018 là you déposé sous compte ça attendez bien oui 35 millions 186 590 gouttes 7 centimes Majorité comme ça, c'est comme liquide, d'après rapport, unité de lutte contre la corruption qui dit 95, que 95,81% comme ça, c'est cash que vous déposez. Toujours, dans ce qui est avec euh, comme qui déposait par couple ou bien par monsieur et madame Fleurin. Gagné le 4 juin 2018. On compte qu'il y a un plan départ et logement qui est enregistré dans le numéro 19 -00, 00 13 091 pour période 2016 à 2018. Alors, toute période 2016-2018, il est important pour nous rappeler que nou c'est le ministre qui l'a. là. Ok? Et Mme Toussaint déposé sous compte compte 4 335 188 goudes. C'est bien, oui? Mette Fleurent, qui a un compte dans le qu'elle qu'elle fait le 8 février 2013. Numéro compte lancé 26 01 14 26 52. avons fait un dépôt sous compte ça, selon rapport là de 7 55 213 gouttes. Quasi totalité des dépôt, c'est l'agent cash. Et... Mais ça m'a tellement bas, ce chiffre-là. Ça fait mal, Ça fait mal. Il y a là. Il y a pile de jours. Et... Il y a pile de jours, là. Il y a un pile de jours. Alors, je vais vous relater ça pour vous. Il y a un compte qui fait jeudi, en là. En, en fait, jeudi, il fait avec 1000 mille, mille dollars, 5000 mille gouttes. Mais si je veux, on un million et quelques, <laughs> quelques gouttes de okay. Donc, je vais parler là du rapport que... Et, et unité de lutte contre la corruption, les mêmes limites de Yor, oh, qui éclaboussaient ancien ministre planification et coopération externe, Aviol Fleurand. Et je mm. contre bah, si n'a pas si à transition pour inviter, on vient si mm. Bah, mm. Bah, continuer. Oui, non, non mais, mais, mais au final, on a une conclusion. Non, oh, non, non, non on n'a pas conclusion du tout. Et quand n'a pas eu de jours. On a 10, 15. Eh bien, ok, et compte n'a pas eu de <laughs> Le 6 août 2015, gagnant compte Sogebank, sous numéro 11 06 00 c'est M. Florent qui est un signataire contre ça là. L'idée ouvrit compte là sous nom un groupement politique que y aurait les nouvelles Haïti bon par bah, contre au coin de Ouais Le 6 août 2015 un dépôt de 5000 gourdes qui fait sous compte là 5000 5 5000 goudes, goudes? goudes. Le 7 août 2015 regroupement recevoir sous compte ça dans la banque République d'Haïti alors, via la Banque de la République d'Haïti, 1,225,461 goudes, 82 centimes. C'est deux fonds qui étaient alloués dans quatre questions et conseil électoral provisoire, comme parti politique pour activité électorale 2015. Oui. En résumé, le s'est expliqué que ensemble des pour que Monsieur et Madame Aviol Fleuran fait sous 16 comptes bancaires que vous ont gagnés pendant la période 2016 pour arriver décembre 2018 là c'est 102 en fait c'est 100 millions pardon 204 000 240 gouttes, 72 centimes que ensemble dépôt ça aura totalisé 100 millions 204 240 goudes 72 centimes que ensemble dépôt que je cité là bon tout, totalisé. Maintenant la commission que, d'après ça nous lit un rapport, gagné yon Disproportion qui existait entre montant dépôt qui fait et comme que e, e, ouais. e, e, le couple lui même touché dans le travail que yon fait. Oui, commission vient et constater que une disproportion. que comme yon touché, pas capable permettre que y gagne 100 millions 204 000. 240 goud, 72 centimes dans la période ça. Je donne quand même que ça va faire comme ça, bon, quand même. Et comme vous voulez, parce que Géné... montant 29 millions, 695 000. 156 goudes 53 centimes que you totalise pour l'ensemble ensemble de dépôts qui fait sous quelques autre compte. Maintenant, c'est sous base. Je vais aller plus rapide parce que. <laughs> Et... Ok. Bon, allez bien rapide. Dans le rapport, enquêteur a réalisé que METLA fait entre 2016 et 2017 un ensemble d'acquisitions qui est important pile. Plus passé 83 000 dollars américains dépensés pour que mettre la lui-même lui fait acquisition sarois. Le 7 juin 2024, commission d'enquête là qui t'attendait, M. Raviol fleurin il demandé mettre comment il fait payer acquisition sarois 83 000 dollars américains. Mette la dit, il payer la partir de revenus de fonctionnaires que liés et de honoré ali comme avocat. Ouais, Mette c'est comme que lui touché comme fonctionnaire et type comme que le cabinet le bali qui fait que lui fait achat est, est pour 83 000 dollars américains entre 2016 et 2017. Guerrier. Okay, okay. Maintenant, fonds, par exemple, qui financent trois propriétés à nu que mettre la gagne, n'a pas les deux, yon que le gagne dans si, avec deux autres que le gagne dans Peggyville. Là, nous n'en rapport, est pas, ce n'est pas les hommes qui a parlé, c'est rapport, enquête, unité de lutte contre la corruption. C'est en total 235 000 dollars américains que que Lali même l'a et a propriété, Peggy Vilio et puis et propriété de ce C'est certificat de paiement que notaire Gary Brisson-Cassagnol-Bali <laughs> pour propriété que le gagne de Bussia, propriété que a acheté pour 160 000 dollars américains. Le certificat indique que, comme ça, on peut un chèque. Donc, là vous achetez un chèque, il y a une possibilité que vous là c'est c'est vous le cash, vous allez Oui, Ok. Eh bien, si vous avez le début ici, vous mettez chèque, ça veut dire 160 000 dollars américains, so c'est le chèque qui te mais pour propriété que le a, a achetées que en 2017 le rapport que que a mm -hmm. ouais. mm -hmm. expliqué que M. Parca a justifié qu'il que le jointe font ça. Ouais, rapport a expliqué que M. Parca a justifié côté que le jointe 75 000 dollars américains pour que y acheté deux terres que l'on a achetées et Peggyville. Je vais convertir si c'est la monnaie locale trop tard. C'est trop tard. Est-ce que vous comprenez? Yeah, yeah. Maintenant, valeur patrimoine réel que vous détectez pour une période d'enquête, l'égal à somme de dépôt que. Mettre la dépôt, mettre la gain, dépôt que le fait pendant la période là, qui c'est 100 204 240 goudes à 82 centimes, mm -hmm. plus montant financement de deux propriétés Péguyvillion, qui c'est 4 millions en goudes, 698 555 goudes. Mm -hmm. ouais mm -hmm. Et... Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu. Puisque, il y a un peu de important, amis auditeurs, pour nous continuer de partager ensemble avec vous. Et pour regarder comment l'argent paye nous. Comment vous utilisez? Comment vous avez vu le poste de responsabilité? Comment vous fonctionnez? Alors, nous connaissons que son rapport pour le transmettre par la justice, qui pourra l'approfondir, etc. Mais sans doute, c'est une institution l'État qui mène l'enquête là. Ce, Et ce n'est pas dominé le non Et puis il revient ça, on l'écrit sur son papier, mais c'est l'investigation qu'il mène pour qu'il fasse guerrier Dieu. Il y a un peu de chiffres, <coughs> un <coughs> peu de démarche.